Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, une vidéo de simulation hein, sur HomeSci 2. Du coup j'espère que vous aimez très bien HomeSci 2 parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour la ligne 17 de Spitterberg. Alors la ligne 17 ça relie tout simplement Urbanov, donc le grand dépôt de Spitterberg où on avait fait la première vidéo, souvenez-vous. Urbanov, ça relie en fait l'aéroport à Urbanov. Donc, on est samedi, le 21, le même jour où je vous poste la vidéo, c'est très bien. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche sur votre écran. Et on fait une ligne plutôt de nuit, donc vers 20h où il y a beaucoup de monde qu'on doit déposer à, tout simplement à Urbanov. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer nos 2 semaines d'absence et nos principales vidéos par la suite, nos principaux projets. Alors pour démarrer, on va déjà mettre le circuit électrique et allumer tout ce qui est lumière, que voici. On peut regarder l'heure comme vous pouvez le voir, hein, 20h03, on démarre à 20h15. Donc autant dire qu'on a le temps pour faire une petite vérification du bus ensemble. Donc pour tout vérifier, si tout fonctionne, on va ouvrir la porte de devant. Voilà, les lumières ont l'air de s'allumer. Parce qu'en fait, je les ai mis en mode quand la porte s'ouvre, les lumières s'allument. Et derrière, aussi, voilà, c'est bon. Et du coup, on va vérifier un peu le siège, hein, ce que fait un chauffeur de bus couramment. Donc, on regarde. Donc, ici, ça a l'air plutôt sympa. Donc, on peut à noter qu'on a un rideau bleu. Donc, dans la nuit, c'est plutôt sympathique, ces places. Moi, j'aime bien, surtout de la nuit. Surtout dans un bus, on est en hauteur par rapport aux autres. C'est vraiment très, très sympa. En tout cas, on peut remarquer qu'il n'y a pas de ceinture. C'est assez bizarre. Bon, on va dire que c'est pas obligatoire, même si c'est obligatoire. Surtout dans un bus. Les sièges sont plutôt bien... ici, on passe la vue, on peut regarder les portes, c'est plutôt bien, les sièges aussi. Bon là, c'est plutôt bien fait, on zoome comme ceci. Voilà, voilà. Ok, bah écoutez, on a vite fait le bus, on a vite regardé au bus. Alors on va repasser en vue numéro 1, la vue chauffeur, et on va démarrer le bus. Voilà, ça démarre tout simplement. Passer en vue 3. Donc il y a un bus qui... Ah oui, d'accord. Excusez-moi collègue, hein, bah, vous attendez. Donc c'est bizarre. On n'a pas la ligne qui s'affiche. C'est bien bizarre. Alors attendez, si je fais un 92... je mets la ligne du coup. Donc c'est la ligne 17, hein, direction de Urbanov. Non, ça met juste... Ah, ça l'enlève. Ah bah ça me l'a enlevé maintenant. Non, ça met juste Bahnhof Spitterberg. D'accord, ok. Bon, bah c'est pas grave. On va laisser du coup comme ça. On va régler la vue 3. Nickel. 20h05, bah écoute, c'est plutôt bon. On va avancer le temps à 20h. Alors, je me suis... Alors, 20h... Cette ligne est très très jaune au niveau du temps, donc on va prendre notre temps pour monter tous les passagers parce qu'il y en a plusieurs. On va démarrer à... 13, je pense que non. C'est 15. Bah écoutez, on va mettre 12. Au pire, on pourra toujours avancer. Ok, c'est parti. Allez, on accède. Oula, ça accélère plutôt rapidement. Et on va en direction de notre arrêt. Donc je passe les vitesses manuellement. Avec le driving for GT, hein, le levier séquentiel. Voilà, voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pu jouer HomeSci, donc là... On va se remettre dans le bain. En plus, c'est un quart, donc un long quart. Je me suis dit que j'ai choisi ça. Oula, ouais, d'accord. Si je vais là-bas, ça va pas le faire. Faut que j'écrase personne non plus. Désolé si vous entendez mon volant. Ce qui est fort probable. Je vais régler ça au fur et à mesure des vidéos. Et désolé aussi pour la gêne occasionnée du Action Mirelis. Il y a un petit icône qui s'affiche en haut de votre écran. Désolé, désolé. C'est parce qu'en fait, en ce moment, je teste plusieurs logiciels de capture pour voir celui qui bug le moins. Donc c'est pour ça que j'ai pas acheté la licence. C'est pour ça que vous voyez ce carré Action Mirelis. Ok, on passe en vue 2. On entend bien le bus d'ailleurs. Ok, donc la vue 3. Elle est mal mise, c'est bien bizarre.
L'obscurité dans le bus. Bon, il fait pas très noir, je suis désolé, mais mesdames, messieurs. Il y a les lumières partout. Allô? Ils font que de se plaindre, ceux-là. Ok, donc on a 2 minutes d'avance. On va attendre 1 minute encore ici. 22 degrés dans le bus. Ah, oh bah ça va, il fait chaud. On peut. Voilà, donc 1 minute. On part dans 1 minute. On peut voir que le bus est pas rempli, mais déjà assez plein. Vous allez voir qu'aux arrêts précédents, ça va se remplir. Donc voilà, parfaitement parfait. Une petite bouteille, c'est sympa. Et là, on a une petite place voilà, supplémentaire qu'on va replier. Ok. Bah écoutez, c'est parfait. Non, ça, c'est le klaxon. D'accord. Ok, donc je vais vous parler des séries, etc. Bah écoutez, on va y aller. On va prendre un peu d'avance parce que vous allez voir que c'est très. On va vite perdre notre avance. Alors c'est parti. Donc j'ai choisi une ligne de nuit parce que dans la dernière vidéo, bah, tout simplement, on avait fait une ligne de jour. Donc je me suis dit c'est pas mal. Et voilà. Donc pour les prochaines séries, donc ça c'est l'épisode 2, hein, DOMCI 2. Ça rime en plus. L'épisode 2 d'Homecy 2 sur la map Spitalberg. Je vais faire des épisodes en solo comme ça. Des petits gameplays. Épisode 1, let's play en fait. Mais ça va s'appeler épisode. Tout simplement. C'est déjà le numéro 2 parce qu'on avait déjà fait une première vidéo sur cette map. La ligne 15. Là on fait la ligne 17. J'ai pas voulu faire la ligne 16 parce que je me suis dit elle est un peu longue pour redébuter. Je préfère faire aux alentours de 20 minutes de vidéo. Je trouve ça plutôt pas mal. Regardez, rien qu'avec le feu, on a perdu notre avance d'une minute. On est nouveau bon. Donc voilà, je vais vous parler dans cette vidéo de tout ce qui est futur de la chaîne. Comme vous aurez peut-être pu le constater, jeudi avec Koopa Cool. Parce que il n'y a plus que Koopa Cool. Hein, si vous êtes curieux, vous aurez pu le constater. Avec quelques petits problèmes. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Avec Koopa Cool, nous allons faire plein de séries, notamment sur. Alors, je passe pas la vitesse, ça va pas aller. Notamment sur Garry's Mod et Euro Truck Simulator 2 et Homecy 2. Donc, pour l'instant, c'est que ça. Donc, ça va être des séries collab. ETS 2, Garry's Mod, des séries collab. Donc, avec A2. Il y a aussi Koopa Cool qui vous a prévu d'autres vidéos solo, donc c'est lui qui va tourner ses vidéos en fait sur ses différents jeux. Allez, on y va. Donc voilà, sur ses différents jeux. Donc je vous laisserai. Il va vous les présenter plus tard. Je ne sais pas ce que c'est encore. Donc je ne peux pas vous dire les titres en avance. Mais en tout cas, on continue beaucoup de séries d'Homecy 2. Ça, c'est sûr. La série d'Euro Truck Simulator 2. Ça, c'est sûr aussi. Et on a du coup du Garry's Mod sur des serveurs comme Impulsion, Impulsion Dark RP ou bien Garry's City. Donc ça, ce sera deux serveurs qu'on va tester et on va dire ce qu'on en pense et on restera sur le serveur qui nous a le plus plu. Donc là, c'est pour ça que je fais des vidéos de Zomsi assez courtes parce que sur les vidéos de Garry's Mod, on aura des vidéos beaucoup plus longues. Parce qu'un métier dans Garry's Mod, on ne peut pas faire des vidéos de 20 minutes, ça ne va pas. Le temps qu'on choisisse notre métier, qu'on prépare, c'est vraiment quelque chose de très long, à moins qu'on prépare tout hors vidéo. On va s'organiser, on verra comment justement on s'organisera pour ces futures vidéos. Voilà, en tout cas, on est impatient de reprendre. Alors, attention, on se concentre pour tourner. Alors, la 17, donc là, il y a du monde. Allez-y, madame. Mais voyons, mais c'est pas possible ça. Regardez, regardez, les gens, ils viennent sur la route. Bon, allez-y, montez ici. C'est pas très légal, mais c'est pas grave. Allez, nous, on y va. Hein. Voilà, du coup, on s'arrête pas là. Ils ont monté. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Aussi, une annonce sur Euro Truck Simulator 2, une série, donc ça va être des gameplays, etc. Mais une série bien particulière vous sera proposée au mois de juillet ou août. Tout dépend de la sortie du DLC France. On va en fait, avec Koopa Cool, faire une série sur le DLC France,
sur le DLC Vive la France pour découvrir en fait toutes les nouvelles villes du DLC de SCS Software sur Euro Truck Simulator 2. Donc voilà, ça va être une série où on va découvrir la France. Donc c'est l'intitulé du DLC, c'est Vive la France, il me semble. Donc voilà, pareil, on va découvrir ceci ensemble. Ok. Alors ici, il y a nouveau du monde. Écoutez, je suis content. J'aime bien faire des lignes où il y a pas mal de monde, surtout que ça rame pas spécialement. On est à 30 FPS pour la vidéo. Alors, je peine tous de l'obscurité. Bah écoutez, je peux rien faire. C'est les lumières qui sont mal réglées. La puissance des lumières, c'est pas terrible, hein, on va dire ça comme ça. Alors, ça tombe bien, on a le feu rouge. Donc, on est en avance d'une minute, ça fait plaisir, parce que d'habitude, sur cette ligne, je suis tout le temps en retard. Je préfère être en avance qu'en retard. Quoique, en avance, c'est pas tellement bien, parce que bon, s'il y a des retardataires, bah, ils loupent le bus. Hein, on va dire clairement, ils loupent le bus, donc c'est pas tellement très pratique pour eux. Mais bon, on n'a qu'à dire qu'ils allaient être à l'heure. Enfin, une ou deux minutes en avance. Alors, un petit lag ici, toujours. Ça charge les textures, les maps. On est repassé à 5, et voilà, on repasse tout de suite à 30 FPS. Désolé si vous voyez le petit logo, hein. Vraiment, si vous voyez les trucs action, il y a marqué action, capturé, enfin bref. Désolé, c'est que je teste un nouveau logiciel, donc il y a Action Merlis, je pense que vous connaissez. Je fais des tests de pas mal de logiciels en ce moment pour déterminer le meilleur logiciel. Ok, donc ça a l'air de passer ici. Voilà, voilou. On est en avance d'une minute. Écoutez, c'est pas tellement grave, j'ai l'impression. Une minute, hein, c'est vraiment pas grave. C'est au contraire bien. Si on a des problèmes sur la route, etc. Je passe. Ah, c'est là. Ah, d'accord, j'ai activé la porte arrière. Non, on va le refermer. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bien garé? Eh ben écoutez, on est plutôt bien garé. Hein, sur l'emplacement. 1 minute 5, on va partir à moins. Donc on va attendre quelques secondes. Donc voilà, vous pouvez apercevoir que le bus est pas mal rempli. Ça fait plaisir. J'aime bien quand le bus est bien rempli. Surtout que j'ai pris un car pas forcément articulé. Mais un car qui fait 15 mètres, donc un long. Et je vois que finalement, ce que j'ai, mon choix sert. Ce que j'ai fait, c'est que ça sert. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Ok, donc nous allons partir. Voilà, donc nouveau très content, hein, comme je vous l'ai dit. Là, je suis plutôt concentré. En tout cas, je vous ai dit l'essentiel de ce que je vous avais à dire pour les prochaines vidéos, etc. Ok, bah c'est bon. Allez, on va repartir. Désolé si vous entendez le volant dans cette vidéo. Je réglerai ça, comme dit, pour les prochaines vidéos. Voilà. Alors, on accélère dans les tours. Parce que là, de toute façon, il faudra freiner. Donc, ça ne sert à rien de passer la vitesse. Ok, bah voilà, c'est parfait. On est passé. Voilà. Donc là, on est dans les temps. On est plutôt bon. On peut rebaisser la vitesse. Voilà, donc petite ligne de nuit, hein, comme je vous l'ai dit. Enfin, de nuit. De début de nuit. Début de soirée. Parfait. Allez, on repart. Donc, voilà, comme dit, plusieurs séries sur Splitterberg. On va essayer de faire toutes les lignes à peu près. Je pense que c'est faisable. Largement faisable même. Voilà. Un petit lag. On va pas passer la vitesse, pas rouler au-dessus de 40 parce que disons qu'ici il y a des arrêts répétés. On s'est bien arrêté au poteau. Toujours freiner en douceur parce que sinon dans MC, il vous le fait savoir. Hein. Il vous râle dessus. Surtout que votre son est réglé un peu fort. C'est bon. Vous avez plus d'oreilles. Ok, on attend que la porte se referme bien. C'est bon. Le bus est très très bien. C'est bizarre. Je
dois pas avoir descendu les vitesses parce qu'au bout de 20 km/h, il demande pas de vitesse, il avance tout seul. Je vais peut-être même pas baisser la... Ah bah oui, c'est pour ça. J'ai pas baissé la vitesse. Voilà, on va baisser, comme ça c'est fait. Ok, donc là, on est enregistré et on peut passer. Ouh, calme-toi, il a un petit problème d'injection, mon bus, j'ai l'impression. Je sais pas si vous avez vu l'aiguille des contours. Voilà, là tu pousses. Alors ici, on arrive à Kirchplatz. Kirchpark, pardon, et il y a du monde. Je croyais qu'il y avait personne. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Non, j'ai baissé la vitesse. Oui, parce que je passe tout le temps une vitesse, mais ça sert à rien, j'ai l'impression, parce que... Je sais pas, je dois soit trop accélérer sur l'accélérateur d'un coup, ou alors effectivement ce bus a un problème, hein, parce que bon. Voilà. Et d'autres vidéos seront en collab aussi avec Alex Momo. Je pense pas que vous connaissez, hein, parce qu'il y a une chaîne YouTube, mais c'est un ami. Et avec un petit partenariat aussi avec Lucky Gamer, donc il sera avec nous, je pense, sur Garry's Mod, sur ETS2 aussi, s'il le veut. Donc je vais lui dire un petit partenariat avec Lucky Gamer, si vous connaissez. Il n'y aura pas de problème, s'il le souhaite, hein, s'il ne le souhaite pas, il n'y a pas de problème non plus. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et un partenariat avec Tech Trainer. Peut-être je vous en avais déjà parlé. Alors c'est pas pour moi, ok d'accord, merci le troll. Peut-être je vous en ai déjà parlé, mais sinon je vous en reparle, donc partenariat. Donc sa chaîne est dans la description. C'est tout simplement une personne qui fait de la high-tech. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, hein, mais je vous le reparle. Qui fait de la high-tech. Tous les domaines d'high-tech, de gaming, les processeurs, des PC. Donc si vous voulez des configs par exemple. Il fait tout type de config, tout type de build, donc tout type de construction. De PC pour différents prix, pour différents moyens. Je pense que ça c'est très original si vous voulez regarder. Et c'est pour ça on s'associe parce que du coup lui, il apporte ses qualités sur la high-tech. Ainsi que les PC, etc. Les bons plans des cartes graphiques, les bons plans des souris, les bons plans des contrôleurs, des volants, etc. Les high-tech, des téléphones, vraiment tout ce qui regroupe la high-tech. Et on s'est dit, on peut se faire un partenariat parce que on pourra se faire des petits vlogs ensemble sur sa chaîne, bien évidemment. Et un partenariat parce que le gaming est assez rapproché de la high-tech, vu que pour faire fonctionner le gaming, il faut tout simplement des ordinateurs, des consoles, bien évidemment, tout ça est quand même dans le domaine de la high-tech. Donc pour jouer au gaming, pour jouer à tout type de jeu, il faut un ordinateur. Et du coup, on s'est mis en partenariat, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube. Si vous appréciez, n'hésitez pas aussi à vous abonner par la même occasion. Ah oui, d'accord, ils sont tous... d'accord. J'ai cru qu'il n'y avait plus de personnes dans mon bus, mais en fait, ils sont tous en train de descendre. Enfin, tous devant l'escalier, du moins. Et voilà, du coup, on a fini notre petite vidéo. Notre petite ligne aussi. On va couper le moteur. On va passer en vue 3. Ah non, j'ai pas coupé le moteur. C'est un appui long, en fait. C'est pour ça. Ok, voilà. C'est parti. On ouvre. Et voilà, là, on a le détail de la ligne. Alors, on est parti trop tôt, apparemment, de Flughafen. Donc, c'est-à-dire de l'aéroport. Mais en tout cas, après, on a eu que des OK. Donc, c'est plutôt pas mal. On a fait une très, très bonne ligne. On va repasser ici. Donc, il est 20h25. OK. Ça marche. Donc, 3 minutes. OK, non. Ça... Donc, quelques bugs aussi au niveau de ce bus, j'ai l'impression. Ouais, bon. Écoutez, ma foi, tant pis. C'est pas tellement grave. Ah oui, d'accord, non, on va éviter de montrer ça parce que c'est un gros bug quand même. Et c'est pas tellement chouette en fait. Donc voilà, allez-y, descendez, mesdames, messieurs. Merci d'avoir voyagé avec la compagnie. Ça, j'en sais rien. On laisse remonter les portes. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo de 20 minutes quand même. Pas loin des 20 minutes. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir de recontinuer les vidéos, hein, parce que effectivement ça faisait quand même assez longtemps, je l'avoue.
Et du coup, j'espère que le programme vous plaira par la suite. N'oubliez pas, si vous voulez checker le partenariat avec Tech Trainer, voilà. On va aussi faire des vidéos en collab aussi, peut-être avec Lucky Gamer Simulation, si ça vous intéresse. Enfin, c'est surtout si ça l'intéresse sur ETS2, Garry's Mod. Donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à checker les liens qui sont dans les descriptions. Et aussi, tout simplement, à vous porter bien, ça ne veut rien dire. À bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo qui aura lieu normalement mercredi. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde!